Bonjour, Monsieur Alissard, c'est 10 h maintenant et on pourra commencer quand vous voulez. C'est à Très vous. bien. Bonjour Gustavo. Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, senador. Bien, alors on va commencer si vous le voulez bien. Donc, Madame la Présidente et chère Margareta Sederfeld, Monsieur l'Ambassadeur, Président du groupe de contact de l'OSCE et représentant permanent de la Pologne, Mesdames et Messieurs et chers collègues parlementaires, donc depuis Paris, je voudrais vous souhaiter tout d'abord la bienvenue pour ce forum méditerranéen annuel de notre Assemblée parlementaire de l'OSCE et j'espère le dernier en ligne avant de pouvoir enfin nous retrouver physiquement. Je voudrais remercier particulièrement les parlementaires représentant les États partenaires méditerranéens de l'OSCE pour leur participation. Avant de démarrer officiellement, je souhaite vous faire part de quelques remarques techniques. Cette réunion est enregistrée et diffusée en direct sur les plateformes de médias sociaux et sur le site web de l'AP de l'OSCE. L'interprétation simultanée dans les 6 langues de l'OSCE est assurée. Vous pouvez donc les uns et les autres choisir la langue d'interprétation en bas de votre écran Zoom en cliquant sur l'icône en forme de globe. Je demande à tous les participants, s'il vous plaît, de couper leur micro lorsqu'ils ne prennent pas la parole et de l'enclencher uniquement lorsqu'ils prennent la parole. Une liste d'orateurs pour chaque point de l'ordre du jour a été établie par notre bureau virtuel, mais néanmoins réel, et cette liste est désormais close. Et nous prévoyons enfin de conclure cette réunion à 12 heures, heure de Paris, dans 2 heures donc précisément, puisque au-delà, il n'y aura plus d'interprétation possible. Donc, par conséquent, nous demanderons à tous les orateurs inscrits de limiter leur intervention à 3 minutes. Nous ne pouvons pas, hélas, garantir que tous les orateurs inscrits puissent s'exprimer avec une interprétation au-delà de ces 2 heures, mais nous garantissons cependant qu'au moins un orateur par délégation inscrite à l'avance puisse prendre la parole. Avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, je voudrais vous préciser aussi que notre secrétaire général adjoint, Gustavo Payares, modérera le débat depuis Copenhague et je l'en remercie. Ça, c'était les points techniques à vous préciser. Sur notre agenda, sur notre ordre du jour, nous avons donc 6 points qui figurent dans notre ordre du jour. Le secrétariat l'a fait circuler. C'est la raison pour laquelle je vous demande de l'adopter. S'il n'y a pas d'objection, je vais donc considérer que l'ordre du jour de ce forum est adopté. Je ne vois pas de remarques ou d'objections se manifester, donc je vous en remercie. On va donc pouvoir ouvrir officiellement le forum. Madame la Présidente et Monsieur l'Ambassadeur, chers collègues parlementaires, membres de l'APOSCE et représentants des États partenaires, Monsieur le Secrétaire général. L'an passé, la pandémie de COVID-19 ne nous a pas permis d'organiser ce forum. Cette année est également particulière avec ce format virtuel. C'est une réunion statutaire que nous remplissons et je voudrais renouveler mes plus vifs remerciements à notre présidente nouvellement élue, Margareta Sederfeld, pour sa confiance, puisqu'elle m'a invité à poursuivre mon mandat de représentant spécial aux affaires méditerranéennes après son élection en juillet dernier. Malgré tous les défis auxquels nous devons faire face, je suis heureux de constater que cette session maintient l'intérêt et l'engagement dont elle a toujours bénéficié de la part de nos délégations parlementaires, de la part des pays partenaires, ainsi que des missions diplomatiques. J'y suis très attaché et je m'en réjouis, et c'est pourquoi j'ai tenu aussi à rencontrer personnellement les représentants permanents à Vienne lors de ma participation à la conférence méditerranéenne de l'OSCE les 12 et 13 octobre dernier, à l'invitation de Monsieur l'Ambassadeur Alazinski, que je remercie. Les sujets essentiels traités par cette conférence ministérielle pour la sécurité et la coopération dans notre espace commun restent une priorité et je suis très heureux et fier d'avoir pu y apporter mon témoignage
et mon engagement au nom de notre Assemblée parlementaire. Vous vous en souvenez certainement, en 2019, le Royaume du Maroc nous accueillait à Marrakech afin de débattre des modèles de coopération nord-sud et de la connectivité économique de la région méditerranéenne dans un monde globalisé. Ce fut d'ailleurs la première fois dans l'histoire de notre Assemblée qu'un État partenaire nous accueillait dans le cadre d'une réunion statutaire. L'esprit d'engagement manifesté par le Maroc a été exemplaire et j'invite les États participants à prendre part de façon similaire à notre engagement envers la Méditerranée. Il est de notre vocation commune, en tant que parlementaire, de dialoguer, de proposer des solutions durables pour l'ensemble de la région. Je crois que c'est la force de la diplomatie parlementaire, la force de la diplomatie que je défends, qui permet de compléter la diplomatie classique exercée par nos gouvernements. Vous le savez, la pandémie a exacerbé les tensions et les crises dans notre région. Elle a surtout mis en exergue la nécessité de réponses collectives, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau parlementaire. Notre présence à ce forum prouve encore une fois que la coopération reste la meilleure réponse. La coopération dans le domaine sanitaire, afin de faire face à l'urgence et à l'impératif vaccinal qui permettra de protéger les populations du Covid-19. La coopération humanitaire, pour faire face aux mouvements de population et aux migrations. La coopération sécuritaire aussi pour répondre aux risques accrus liés au trafic impliqué par ces mouvements. Et enfin, la coopération économique, culturelle, scientifique, sociale, qui permettra de faire face aux besoins criants de solidarité. Vous l'avez compris, tous ces volets de la coopération ont été et doivent être activés afin de combattre la crise multiforme que nous vivons actuellement. Durant cette conférence méditerranéenne d'octobre, j'ai souhaité que nous nous penchions sur l'application de la déclaration du Conseil ministériel de Milan sur la sécurité et la coopération en Méditerranée, dont les engagements me semblent plus que jamais actuels. Cette déclaration vous a été distribuée ou vous est montrée à ma demande. La sécurité en Méditerranée n'est pas qu'une question régionale et j'insiste sur le fait que la sécurité dans l'espace de l'OSCE est inextricablement liée à celle de la région méditerranéenne. C'est un sujet global. J'en viens à une autre problématique d'importance qui nous est à la fois commune et urgente, le réchauffement climatique. Quelques jours après le sommet du G20 et avec la COP26, je crois qu'il est important d'en parler ici. Les deux sujets, réchauffement et sécurité, sont liés, le premier ne manquant pas d'entraîner des conséquences délétères sur le second. Les particularités méditerranéennes accentuent les effets indésirables du changement climatique. La Méditerranée est considérée comme un point chaud qui nécessite une attention toute particulière. Des ONG, mais aussi le GIEC et l'ONU l'ont tous souligné. Depuis plusieurs années déjà, des bouleversements sont progressivement à l'œuvre. Je pense à la multiplication de ce que les météorologues appellent les épisodes méditerranéens, pluies torrentielles, vents violents entraînant des inondations ou des glissements de terrain. À l'inverse, l'accroissement des périodes de chaleur, des pics de canicule, des sécheresses, conduit à de fréquents incendies et à une baisse des ressources en eau dans de nombreux pays méditerranéens. Quant aux eaux souterraines, non seulement les volumes disponibles vont baisser, mais leur qualité aussi va se dégrader. Selon le GIEC, une hausse des températures de 2 à 3 degrés est à prévoir en région méditerranéenne à l'horizon 2050 et de 3 à 5 degrés à l'horizon 2100. L'augmentation du niveau de la mer accélère l'érosion des côtes et accroît le risque de submersion. L'acidification, le réchauffement de l'eau impactent la vie marine et les écosystèmes.
Les espèces invasives se multiplient au détriment des espèces endémiques et de fait, c'est toute la biodiversité qui est menacée par ces changements auxquels s'ajoutent d'autres dégâts environnementaux causés notamment par la crise des microplastiques. Mes chers collègues, je crois qu'il faut regarder les choses en face pour prendre les décisions les plus adaptées à la situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés, en particulier les pays des rives orientales et méridionales qui sont très exposés. Tous ces événements ont d'importantes répercussions sur les États, les populations, les économies. Vous le savez, la Méditerranée est l'une des premières destinations touristiques et culturelles au monde. La pêche, les transports maritimes, l'agriculture et toutes les activités littorales sont aussi fondamentales pour l'économie régionale dans un monde où les échanges par mer prédominent. Les coûts globaux de ces désordres sont déjà considérables. En outre, les services de sécurité civile ou d'intervention des différents pays sont souvent débordés par l'ampleur des catastrophes auxquelles ils doivent faire face. Ces coûts ne feront que croître au point de devenir insupportables si rien ne change. Et enfin, comme je l'indiquais précédemment, les changements climatiques pèseront sur la sécurité. La hausse des déplacements de population et par voie de conséquence, la hausse des trafics d'êtres humains. La hausse des conflits d'accès aux ressources alimentaires et à l'eau, et l'accroissement de la pauvreté qui, on le sait, fait le lit de la criminalité et du terrorisme. Alors, mes chers collègues, ces sujets d'importance vitale questionnent nos modes de vie et notre capacité à œuvrer collectivement pour affronter de tels défis. Ils nous obligent à œuvrer davantage en coopération, en mutualisant des moyens et des compétences. Certains pays sont plus avancés en matière de lutte contre l'érosion, d'autres en matière d'irrigation économe, de pêche durable, de services de secours et d'intervention. Il faut, j'en suis convaincu, mieux partager ces expériences et ces ressources. Par ailleurs, le nombre de chercheurs des deux rives méditerranéennes travaille sur la biodiversité. Il existe au niveau méditerranéen des experts sur les changements climatiques et environnementaux, ce sont des viviers de compétences et de connaissances. Beaucoup reste à faire en matière d'éveil des consciences, d'éducation des populations, car chacun, à son niveau, a un rôle à jouer. Le secteur éducatif doit donc être aussi pleinement mobilisé. Je pense aussi à l'effort à accentuer dans le développement des technologies du futur, en particulier pour mieux modéliser et anticiper les phénomènes, pour mieux utiliser et économiser les ressources disponibles, l'eau, les énergies renouvelables, pour lutter plus efficacement contre les catastrophes naturelles et aussi pour réduire les émissions de CO2 et pour cela, travailler aussi en coopération pour rechercher des financements innovants. Pour conclure, je voudrais vous faire partager ma conviction que l'OSCE, son assemblée parlementaire et ce forum interparlementaire ont un rôle crucial à jouer pour relever ces défis communs. C'est pourquoi je propose de réunir au cours des prochains mois les partenaires méditerranéens pour évoquer les enjeux du réchauffement climatique et notamment les effets concrets déjà observables dans chacun de ces pays, les mesures entreprises et les compétences à partager, les risques à venir et les moyens de les prévenir. Car oui, c'est ensemble que nous trouverons les voies, les moyens de préserver cette Mare Nostrum dont nous avons reçu l'héritage et que nous avons en partage. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais en tout cas, moi, partager avec vous ce matin en ouvrant cette conférence. Et c'est avec grand plaisir que je vais souhaiter à nouveau la bienvenue et passer la parole à notre présidente, Madame Margareta Sederfeld, qui c'est notre prochain point de l'ordre du jour, qui est chargé, et Margareta qui va nous faire ses remarques introductives. Madame la Présidente, avec grand plaisir, je vous cède la parole, c'est à vous. Thank you very much,
Mr. Vice President, Chair of the Mediterranean Forum, Monsieur Pascal Alissard. Ambassadors, delegates, ladies and gentlemen, let me reiterate what Senator Alissard said in his opening remarks and welcome you all to this Mediterranean Forum. I am grateful to see so many of you connected this morning. It has been 2 years since we held our last Mediterranean Forum. Hopefully, will the next Mediterranean Forum be held in person? And I do look forward to the possibility to meet in person again. Incidentally, this took place during our autumn meeting in Marrakech, Kingdom of Morocco, which was the first time that the PA statutory meeting was hosted by one of our OSCE partners for cooperation. This demonstrates the extent to which we have valued the engagement of delegations from Parliament from the southern shore of the Mediterranean Sea. Unfortunately, with the COVID-19 pandemic, we have not had the chance to further strengthen these ties and cooperation. But I am full of good hope for the future. As Senator Alissard said, we need the multilateralism. We need our parliamentarian diplomacy. And as long as we as parliamentarians meet, as long as we talk, as long as we have our dialogues, there is hope for the future. We have the possibility to change our views, to explore new ideas, to share thoughts. And that's what politics is about. We are all elected by our people. And this gives us a mandate, a strong mandate, to work for a safe, secure future. And as this is a Mediterranean Forum, is hosted by OSCE PA, I must also underline the importance of the three dimension that's mentioned in the Helsinki Final Act. The first dimension, the political and security one. The second, economy and environment. The third dimension, human rights and democracy. All of these are important for us as parliamentarians to focus on. And I look forward to listen to the debates today, to listen when you discuss and raise the important issues for your people, for the region and for the cooperation inside the OSCE region. And I look forward to hear about your country's priorities. I do also look forward to the participation of all our other delegations in the open debate. These exchanges will be essential to promote further interparliamentary cooperation and security between both shores of the Mediterranean. I thank you for your participation and I look forward to today's debate. Thank you very much. Merci, Madame la Présidente, pour votre intervention. Et je vais donner maintenant la parole à l'ambassadeur Adam Agladinsky, qui préside cette année le groupe de contact de l'OSCE avec les partenaires méditerranéens, et la Pologne, dont il est le représentant permanent, présidera notre organisation en 2022. Et à cet effet, je souhaite à monsieur l'ambassadeur mes meilleurs voeux de succès. Monsieur l'ambassadeur, c'est un plaisir de vous retrouver et de vous accueillir au sein de ce forum. Je vous laisse la parole, à vous. Thank you very much, Mr. President, Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen. It's a great honor to me to speak to you today on behalf of the Polish chairmanship of the OSCE Mediterranean Partnership for Cooperation Group. My country, Poland, attaches great importance to the development of cooperation between our organization and its neighbors. I hope very much that we were successful in conveying this strong conviction by our activity
as the chair throughout the year. We have also tried to look at our cooperation through the prism of the OSCE's comprehensive approach to security. Let me sum up briefly the program and the meetings we have had so far. The first meeting of the group in March helped us to identify most pending issues in regard to the COVID challenges and post-COVID recovery. They were also discussed further in the Mediterranean conference in autumn. In May, we devoted our attention to the pertinent issue of strengthening international cooperation to counter transnational organized crime. And in June, we have discussed the situation of young people with a special focus on exchanging good practices to tap into their potential and identify further opportunities to involve them in initiatives aimed at strengthening prosperity, peace, and security in the OSCE and Mediterranean regions. Further on, less than a month ago, we had the OSCE Mediterranean Conference under the title Road to Resilience, Post-Pandemic Recovery and Security in the OSCE and Mediterranean Regions. Due to the ongoing COVID-19 pandemic, the conference was held in Vienna and online. This, however, in my opinion, has had also a positive effect on the participation. We were able to win many interesting speakers who otherwise might have not been available for our discussions. Furthermore, next to the representatives of delegations based in Vienna, we also had a good number of audience joining directly from the capitals, which I recognize as a clear sign of interest taken in the Mediterranean, as well as a way to directly engage with those involved in the topics relevant to the region. The discussion we had over the 2 days of the high-level conference, and let me recall the sessions. First, fight against transnational organized crime. Second, combating trafficking in human beings. And third, sustainable recovery. All those discussions once again made it evident that successful recovery demands a coordinated action, and our cooperation can be conducive in this regard. I was very pleased to see the common understanding among the participants and speakers, including those taking the floor in the high-level segment of the conference, that cooperation between the OSCE and Mediterranean partners was now even more relevant than ever and must be pursued in the spirit of effective multilateralism and the OSCE comprehensive approach to security. There was also a broad agreement that the OSCE remains a useful platform for debates related to finding proper answers to the current crisis and building more resilient economies for the future, underlining that special attention in this process should also be devoted to youth and women who were mostly affected by the COVID pandemics. To my great satisfaction as a chairperson, the majority of speakers found the theme of the Mediterranean Conference well adapted to the current international agenda. I also heard a strong call for translating the debates with the Mediterranean partners into more concrete action. In this context, I would like to draw your attention to two initiatives that we have been supporting as the chair of the Partnership for Cooperation Group this year, with the intention to address these
outspoken and clear expectation of tangible actions in the partnership framework. One is a proposal for an extra budgetary project, which was brought to our attention by the partners following discussions at the last year OSC conference on organized crime. The project aims to improve regional cooperation and the effectiveness of the fight against transnational organized crime with focus on asset recovery. Turning this concept into reality will, however, not be possible without the support of all OSC participating states, which we will be seeking in the coming weeks. And I would like to add that a word of endorsement from parliamentarians would surely be helpful to secure this support. Second proof of close cooperation with the partner countries is the new edition of the Young Policy Advisors course designed for the Mediterranean partners. The training aims at empowering young people as policy advisors and active citizens, giving them concrete skills with theoretical content specifically tailored to the learning needs and strengthening the knowledge of democratic institutions. Supporting youth and giving them instruments to make their voices heard is very much in line with the priorities of the Polish chairpersonship for next year. But of course, this particular project would not go through without the support of our colleagues from Italy, Malta, Cyprus, and Greece. Let me thank for that. Please also let me take advantage of this opportunity of having your attention today and ask you to use your vast networks and contacts and spread the word about this unique course. The call for participants should be announced in the coming days. Last but not least, please be informed that we still have one more meeting of the Mediterranean OSC Mediterranean Partnership this year. Next week, we will be discussing the issue of illicit trafficking of cultural property, a problem which is an alarming one in our region. I would like to close with a reference to the title of the conference. Road to resilience will be long, but we have to take it together as the Mediterranean region plays a crucial role in efforts to reinforce our joint security. I would like to thank you for your attention. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour votre intervention. Nous passons à présent au quatrième point de l'ordre du jour et je vais donc céder la parole au chef de délégation parlementaire en provenance des États partenaires méditerranéens de l'OSCE. Nous allons donc, mes chers collègues, écouter nos distingués intervenants les uns après les autres. Et si vous avez des questions à leur poser, des commentaires à leur adresser, je vous invite à le faire dans le cadre du débat qui suivra immédiatement après leur présentation et je vous invite à signaler votre nom et votre pays par le biais de la fonction chat de la plateforme Zoom. Une liste d'intervenants va circuler au sein de la discussion instantanée et je le répète, afin de faciliter le débat, veuillez, s'il vous plaît, limiter vos interventions à 3 minutes au maximum. Voilà, et le premier intervenant de nos partenaires méditerranéens, c'est le représentant du Maroc. Vous avez la parole. Est-ce que... Ça se voit à l'écran, là. Faut...
Est-ce que notre collègue du Maroc est connecté? Bon, bah écoutez, afin de ne pas perdre de temps, je vais proposer à notre collègue de l'Algérie, à ce moment-là, de prendre la parole, car je crois qu'elle est connectée. Madame, vous avez la parole. Merci, merci. Madame la présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, Monsieur le président du Forum méditerranéen, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de représenter mon pays à cette réunion importante qui porte sur des thématiques diverses et d'actualité. Je voudrais à cette occasion vous transmettre les chaleureuses salutations de Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil de la Nation, Monsieur Salah Boudjil, qui souhaite plein succès aux travaux de cette réunion. Excellences, Mesdames et Messieurs, le contexte international actuel est marqué par la recrudescence de multiples défis et menaces. Je citerai entre autres le terrorisme, le crime organisé transnational, sans oublier les changements climatiques qui mettent en péril la sécurité d'un nombre croissant de pays, dont les pays méditerranéens. La lutte contre le terrorisme, menace mondiale qui ne connaît ni limites ni frontières, ne peut être efficace que par le partage d'une meilleure connaissance de son évolution et de ses mutations et des moyens et canaux utilisés et des sources de financement. À cette occasion, nous rappelons l'approche de l'Algérie et sa détermination en matière de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la radicalisation, le crime transnational organisé, le trafic de drogue et la traite d'humains, qui sont interdépendants et s'alimentent mutuellement, comme elle s'attaque également aux causes de ces fléaux, contribuant ainsi à la stabilisation de son espace géopolitique méditerranéen, africain et arabe. Excellences, Mesdames et Messieurs, la problématique des changements climatiques, sujet d'actualité actuellement avec la COP26 qui se tient à Glasgow, représente également une priorité mondiale. Ces dérèglements climatiques sont, comme chacun sait, un facteur multiplicateur des menaces pour la paix et la sécurité, en particulier dans certains pays du sud de la Méditerranée, affectés par les catastrophes naturelles, la sécheresse et l'avancée du désert, ce qui entraînera à long terme des répercussions sur le développement, la stabilité, la sécurité humaine et l'augmentation des flux migratoires. Dans ce registre, comme c'est le cas de tous les pays en développement, mon pays réfute une quelconque responsabilité historique dans le réchauffement climatique lié au taux important d'émissions de gaz à effet de serre, raison pour laquelle l'Algérie plaide fortement pour des actions concertées et solidaires et pour des approches garantissant l'équilibre des intérêts entre tous les pays partis ayant ratifié les différentes conventions et accords, dont l'accord de Paris de 2015. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays considère que la défense et la promotion des intérêts de nos pays respectifs ne peuvent être renforcés que dans le cadre d'un multilatéralisme revivifié qui doit inclure des solutions globales à ces menaces globales. Cette démarche, basée sur les principes de respect réciproque, de solidarité, de coopération, de tolérance, constitue réellement un investissement pour l'avenir de tous et pour l'instauration de la paix et de la stabilité sur les plans régional et international. Mon pays se veut un facteur de paix, de sécurité et de stabilité. Preuve en est la médiation internationale menée par l'Algérie pour un dialogue intermalien inclusif et constructif qui a abouti en 2015 à la conclusion de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. S'agissant de la Libye, mon pays ne ménage aucun effort pour l'aider à restaurer la paix et la stabilité. S'agissant maintenant de la question du Sahara occidental, qui reste un problème de décolonisation, elle ne peut trouver une solution acceptée de tous que dans le cadre de la légalité internationale sous l'égide de l'ONU, qui devrait assumer ses responsabilités en assurant l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui, conformément à la Charte des Nations Unies en matière de décolonisation. Enfin, pour terminer, l'Algérie considère que la stabilité régionale et internationale requiert la concrétisation d'un développement global intégrant toutes les exigences liées à la démocratie, à la bonne gouvernance, à la transparence, à la croissance et au bien-être social dans le respect des impératifs liés au développement durable. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame, chers collègues, pour votre intervention.
Est-ce que le représentant du Maroc oui. est connecté maintenant? Oui. Alors je lui cède la parole avec plaisir. À vous. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, c'est avec un immense plaisir et un grand intérêt que notre délégation participe aujourd'hui à ce forum qui nous rassemble dans des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19 qui nous oblige encore une fois de se réunir en format semi-présentiel. Je voudrais tout d'abord présenter mes vifs remerciements à M. Pascal Alizart pour son dévouement et sa détermination à renforcer la dimension méditerranée de l'APOCE et à promouvoir un partenariat plus étroit avec le Royaume du Maroc, qui est convaincu de l'importance de développer un dialogue permanent et de s'engager dans une coopération plus dynamique. Mesdames, Messieurs, en dépit du contexte lié à la situation pandémique, le Maroc a démontré le 8 septembre dernier la maturité de son processus démocratique en réussissant le pari d'organiser un triple scrutin des élections législatives, communales et régionales, avec un taux de participation très satisfaisant et surtout dans les provinces du Sud, où on a atteint les 66%. Le bon déroulement de ce suffrage a démontré la bonne santé de la démocratie participative au Royaume, qui a marqué un tournant depuis l'adoption de la Constitution de 2011. Ces élections ont aussi changé la scène politique marocaine avec une majorité parlementaire et un gouvernement composé principalement de partis centristes. La mise en œuvre des dispositions relatives à la partie a également permis une bonne évolution de la représentation de la femme. Chers collègues, le monde entier a souffert et souffre encore des conséquences de la crise sanitaire. Là encore, le Maroc a réussi à s'imposer comme un leader africain grâce à des décisions et des actions proactives et une stratégie qui a prouvé son efficacité aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique et financier. Aujourd'hui, on témoigne la réussite de la campagne nationale de vaccination anti-COVID qui nous approche de l'immunité collective. Le nombre des primo-vaccinés a atteint 24 millions de personnes, tandis que plus de 21 millions ont reçu la deuxième dose et déjà 1,5 million ont bénéficié de la troisième vaccination. Des décisions ont été arrêtées également dans plusieurs domaines vitaux, notamment la santé, l'enseignement, l'emploi, l'économie, ainsi que des mesures de soutien en personnes aux revenus limités. En parallèle, le Maroc a lancé plusieurs réformes à travers la création d'un fonds d'investissement stratégique pour soutenir le secteur privé et la refonte du cadre de la protection sociale. Notre pays a aussi rempli ses engagements envers ses amis dans le cadre de la coopération Sud-Sud, en accordant l'aide nécessaire à plusieurs pays en développement, notamment des pays de l'Afrique. Chers collègues, cette pandémie a malheureusement élargi les inégalités de développement entre les pays du Nord et du Sud, ce qui nous insiste aujourd'hui à réfléchir davantage sur les moyens de renforcer la solidarité internationale. Et je saisis cette occasion pour appeler à établir une véritable coopération euro-méditerranéenne et un partenariat d'exception qui nous permettra de relever les grands défis stratégiques que confronte cette région, tels que la migration, les conflits, le terrorisme, la pénurie d'eau, la sécurité alimentaire, etc. Je vous invite donc à travailler ensemble pour la sécurité, la stabilité et le développement de notre région et construire un futur commun basé sur la complémentarité et la sincérité de l'échange. Merci de votre attention.
Merci, chers collègues marocains, pour votre intervention. On me passe un petit message pour nous informer que notre collègue israélien qui était connecté vient d'être rappelé pour un vote urgent en séance dans son Parlement. Donc, je crois que ma liste d'intervenants est close et je vais donc vous remercier tous les deux pour vos précieuses interventions et céder la parole à Gustavo Payares, notre secrétaire général adjoint, afin qu'il facilite la modération du débat. Et j'en profite également d'ailleurs pour remercier le secrétariat pour son assistance durant la période de crise que nous traversons. Cher Gustavo, c'est à toi et tu reprends la main pour animer ce débat. Merci. Thank you very much, Senator Alizar. We now move to the open debate agenda item number 5. We have at the moment 12 members that have signed in our list of speakers. We're doing quite good with the time, so I think if we maintain the interventions as you indicated to 3 minutes, we can incorporate maybe a couple more of interventions, and of course. To the Knesset, to the Parliament of Israel, of course, if Mr. Ben Barak can join at any point, we will of course recognize him and include him in the list of speakers. With that said, we will now start. We will follow the list. It's been posted in the chat, and we've been informed that Madam Karalambidis from Cyprus will not be able to join us. So the first speaker will be Madame Serene Mauborgne from France, please. Merci, Monsieur le représentant spécial. Cher Pascal, Madame la Présidente, chère Margaretha, Monsieur le Président du groupe des partenaires méditerranéens pour la coopération et chers collègues. Je souhaiterais revenir sur les tragiques incendies qui ont touché cette année de nombreux pays de l'espace méditerranéen, mais pas uniquement. Aussi bien en France, en Grèce, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Sardaigne, en Espagne, au Portugal, en Turquie, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Finlande, en Sibérie, de violents incendies ont dévasté des milliers d'hectares de forêt, détruisant ces absorbeurs de carbone, anéantissant faune et flore et ruinant la biodiversité de régions entières. Ces incendies ont fait de nombreux morts et blessés, ont contraint des milliers de personnes à abandonner pour un moment ou définitivement leurs habitations. En France, dans ma circonscription, les flammes ont ravagé plus de 7000 hectares dans le massif des Maures, faisant de cet incendie le plus important depuis 30 ans en France métropolitaine. Plus de 10 000 personnes ont dû être évacuées, 1200 pompiers mobilisés, ainsi que 11 avions Canadair, et une réserve naturelle a été en partie dévastée. Plus de 30 ans seront nécessaires pour reconstituer cet écosystème. Le total cumulé des superficies parcourues par les feux en 2021 dans les pays méditerranéens de l'Union est 2,5 fois supérieur aux autres années. Au-delà de l'espace méditerranéen ou européen, d'autres méga-feux ont également ravagé des milliers d'hectares cette année. Je pense à l'ouest du Canada, aux États-Unis, où une surface équivalente à 10 millions d'hectares a brûlé. Les causes de ces incendies peuvent être diverses, mais souvent très liées. D'abord d'origine humaine, accidentelle ou volontaire, tout en étant intimement liées au réchauffement climatique, à une augmentation des températures, causant la multiplication et l'intensification des épisodes de sécheresse et de canicule. Au-delà des conséquences écologiques de ces tragédies, ces incendies constituent des sources importantes de pollution au dioxyde de carbone. À titre d'exemple, la combustion des seuls végétaux durant 2 mois et demi d'incendie en Sibérie
a engendré le relâchement de 800 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone. À ces épisodes, trois nécessités sont mises en lumière. La première, celle de renforcer les moyens de lutte contre les feux en étroite coopération pour l'envoi de personnel et de matériel. En deuxième nécessité, celle d'un meilleur entretien des forêts pour éviter des propagations trop rapides et les chutes d'arbres sur des câbles électriques. En troisième nécessité, une plus grande prise en considération des effets du changement climatique et une plus grande responsabilité de chacun pour limiter ces effets. Je dois dire que la sécurité civile française a été très présente dans notre espace pour soutenir l'Algérie, la Sardaigne, notamment avec trois véhicules, 250 membres des pompiers et trois canadaires, 60 véhicules, pour des déploiements terrestres en soutien. Je vous remercie. Thank you very much. To Mr. Asai Guliev, Vice President of the OSCE Parliamentary Assembly, Azerbaijan. Please, Mr. Guliev. Thank you very much, dear Gustava, dear colleagues, ladies and gentlemen. I would like to take this opportunity to provide you an update on the activities I have recently performed in my capacity as Special Representative on Southeast Europe and the Vice President of the Assembly, and touch upon the region. But before that, let me express my appreciation and thanks to our President, Margarete Cederfeld, for appointing me as her Special Representative on Southeast Europe in August this year. I have assumed my functions with sense of responsibility and with the support of our Secretariat have developed a work plan for the coming months. With the aim of enhancing my comprehension on the horizons, issues and challenges in Southeast Europe, an area which comprises countries of the Mediterranean, I was glad to contribute and pronounce closing remarks on the occasion of the regional policy dialogue with legislators from Southeast Europe on the prosecution, rehabilitation, and reintegration of foreign terrorist fighters, which took place on 14 and 15 October and was co-organized by the OSCE Secretariat and the Parliamentary Assembly. On that occasion, the high-level attendees focused on strategies and ideas on areas in which the contributions by parliamentarians can make a significant impact and took note of the value that parliaments have in guaranteeing that governments tackle the questions related to the rehabilitation, reintegration, and prosecution of foreign terrorist fighters, possibly through a concerted approach. A few days later, on 27 October, I gladly accepted the invitation addressed to the Parliamentary Assembly to join the intervene during the OSCE regional meetings of heads of field operations in Southeastern Europe, which representatives of the OSCE, its participating states, and international partners provided valuable updates on the situation in the region and a clear overview of the efforts of the six OSCE field operations in the region, as well as challenges and opportunities for the organizations, which I will treasure as I prepare to visit the Western Balkans early next year to give my contribution in fostering dialogue and address the issues of concern. Dear colleagues, on 22-24 November, I am organizing a visit to Athens to elaborate inter alia on the regional developments in the Western Balkans, EU enlargement, migration-related issues, and regional cooperation. I am grateful to the head of the Greek delegation to the OSCPA, Mr. Karaoglou, for endorsing the initiative and look forward to meeting him together with his delegation in Athens for productive consultations. Dear colleagues, in my capacity as Vice President of the Assembly next week, I will also be part of the Parliamentary Assembly delegation led by President Margarete Cederfeld on an official visit to Turkey from 8 to 11 November. During the meetings with the government and institutional representatives in the capital, I also look forward to expanding upon the Western Balkans, including Turkey's cooperation with the region.
In 2022, I also plan to actively engage during the Serbian parliamentary elections in spring and the Bosnian general elections in autumn, which the parliamentary assembly will likely observe if invited by the authorities. I am pleased to see a wide participation today on the occasion of the meeting dedicated to Mediterranean affairs, given the close interconnection between the countries of Mediterranean and the neighboring and close by countries. Forums like this provide a useful opportunity to exchange views on the region and facilitate contact lines in a spirit of cooperation and teamwork. Along these issues, Mediterranean challenges such as environmental protection, migration, inclusive development, and resilience to crisis and tensions are shared by the countries of Southeast Europe and require joint efforts to be efficiently addressed. In this context, the need of reflect on strategies to foster long resilience, especially following the global crisis triggered by COVID-19, is the key for us to alleviate the tensions in the Mediterranean region and meet political challenge. Conclusively, in my capacity as special representative on Southeast Europe, I am ready to collaborate with you in the coming months. I encourage you to stay in contact with me also through the International Secretariat to raise the political participation on wise initiatives for the benefit of the region and the OEC area. Thank you, dear Gustavo. Thank you, dear colleagues, for your attention. Thank you, Mr. Vice President. Es ahora un honor dar la palabra al presidente de la delegación española, señor Pere Joan Pons. Tiene usted la palabra. Gracias, Gustavo. D'abord, je voudrais dire merci à M. Alizart pour son travail qui permet de mettre toujours le Méditerranéen au centre de la des débats. Donc, permettez de passer à l'espagnol. Y voy a intentar hacer algunas reflexiones sobre lo que se ha dicho, sobre lo que han dicho también los representantes de la otra orilla del Mediterráneo, ¿no? En primer lugar, decir que soy diputado por unas islas, que son Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que reciben 16 millones de turistas al año y que somos plenamente conscientes del efecto del cambio climático y también sobre lo que ha dicho el señor Alizart, de la contaminación del Mediterráneo. Yo creo que uno de los elementos clave es eso, también para mantener el turismo, que es nuestra principal industria, y también la idea de la contaminación y también de liberar de prospecciones. Esa primera reflexión en la que coincidimos con el señor Alizart. Segunda reflexión en relación a lo que han dicho los colegas marroquíes y de Argelia. Efectivamente, estamos en un tiempo pandémico todavía, pero creo que tenemos que destacar esta idea de la recuperación y de la vacunación. La Unión Europea, España como país miembro, es un país que ha contribuido a que haya tantas personas vacunadas en la Unión como se han exportado por el mismo número vacunas a países terceros. Por tanto, es un tiempo de recuperación. Todos los indicadores dicen que vamos a tiempos prepandémicos antes de final de año, pero también de solidaridad y vacunación fuera de nuestras fronteras. Por tanto, creemos que estamos en ese tiempo de solidaridad, como decían los colegas. Yo quería hacer dos apuntes. Creo que es más importante que nunca que haya, como ha dicho la colega argelina, una cooperación estrecha para los retos que tenemos a ambas orillas del Mediterráneo y también un mayor diálogo. Y, por tanto, suscribo lo que se ha dicho, y también lo ha dicho el colega marroquí, por tanto, suscribimos al 100% desde España, país que es vecino y aliado estratégico con estos países. Y luego queríamos hacer alguna reflexión breve, porque creo que vale la pena decirlo, sobre la migración. Creemos que es importante decir que este reto de la migración no es un reto de los países que tienen frontera con países como Marruecos o con otros países de la otra riva del Mediterráneo, sino que primero es una cuestión europea y, por tanto, creo que es importante que los países miembros de la Unión Europea y también los países de la OSCE aceleremos para poner medidas como, por ejemplo, el Pacto por la Migración a nivel europeo, pero también hay un pacto internacional que, por cierto, se,
se firmó en Marrakech hace apenas dos años y, por tanto, yo creo que tenemos un marco importante. Luego creo que es importante hablar de la migración económica, que esa migración tiene que ser controlada. Luego hay la migración que es la que vivimos a través de las guerras que ha habido en estos últimos años y, por tanto, eso tiene que ser también regulado. De recordar que las mujeres siempre son las que sufren esa doble pena de ser migrantes y ser mujeres y, por tanto, creemos que esa tarea de la migración se tiene que resolver entre todos con mayor cooperación, con mayor diálogo y, por tanto, van a tener toda la colaboración y todo el apoyo para trabajar juntos por parte de España. Muchísimas gracias y gracias de nuevo. Merci de nouveau, monsieur Lizard, pour sa tâche avec la Méditerranée. Merci beaucoup. Muchas gracias. Next on the speakers list, Ms. Yasmine Posio from Sweden, please. Thank you, Mr. Chair. And as a member of the Swedish delegation, I can assure you that President Margareta Cederfelt is a focused and hardworking president. It is a joy to see President Margareta Cederfelt in her commitment to the mission. Well, we have been talking about trade, democracy, and climate change today, and I would like to touch upon that. We do not make trade agreements within the OSCE/EPA, but as parliamentarians, we do that in our respective parliaments. And trade is often seen as the only driver for wealth, but looking at the inequalities in the world, we have learned that trade on its own cannot make the world a better place. In fact, the global finance and trade systems are unequal and increases the gaps between poor and rich countries, between poor and rich people, and between women and men, as well as they are drivers for climate change. So to achieve a world that is equal, sustainable, and where democracy thrives, we need to level the playing field and ensure fair trade. One way to do that is to adopt environmental and human rights due diligence so that people finally can earn what they need to live healthy lives, but also so that no more people are forcibly moved from their homes because a multinational company wants to start mining or cut down forests. Another way is to adopt public country by country reporting so that taxes remain in the countries in which the production takes place or where the resources are taken. Tax evasions exceed development aid by far. In that way, no one can escape taxes and each and every country gets greater incomes that can be used to build democratic and equal welfare systems. I also want to talk about the areas where the ability to trade is almost impossible for the people living in them, and they are the occupied states and areas. Not only is it hard for them to trade, but due to the occupying states' different measures to make it difficult, it not almost impossible to do so. But on top of that, occupying states takes resources from and or has production on occupied land against the international laws we have all agreed upon. I find it appalling that occupying states increases their wealth at the expense of defenseless people. I hope that we all can go back to our respective parliaments and raise these issues. How else will we reach the goals of Agenda 2030? Thank you. Thank you very much. Next in the speakers list is Ms. Yara Sachs from Canada. Before giving you the floor, Ms. Sachs, let me express the gratitude to the Canadian delegation for the engagement and for joining this meeting. If I'm not mistaken, it's 6 in the morning now in Ottawa, and we really appreciate the effort of our North American members to join this meeting. Unfortunately, the timing that we were given and that we had the opportunity to set up this meeting was not really compatible with the time in North America. So thank you very much. And Ms. Sachs, you have the floor.
Thank you, Mr. Speaker. Colleagues and большое спасибо, уважаемые коллеги и дорогие парламентарии. Очень приятно с вами связаться. Я хочу отметить нашего председателя Маргариту Седерфельд, который прекрасно руководит на всех этих форумах. Мне очень приятно принять участие в мероприятии из Оттавы. Хочу обсудить климатический кризис, нетрадиционные угрозы безопасности с глубокими воздействиями для Средиземноморского региона. Mediterranean partner states must collaborate and cooperate on climate change solutions, both at the 26th United Nations Climate Conference, COP26, and beyond. Ambitious climate action is needed to avoid the most dangerous climate impact. Нужны для избежания самых опасных климатических последствий. I apologize, Mr. Speaker, the Russian interpretation seems to be overriding me. Простите, говорит докладчик, кажется, русский перевод вмешивается в мой канал. Yes, if you just hold on one minute, yes, thank you. Прошу вас подождать, мы решим техническую проблему. Sorry about that. Let's try again. Ms. Sachs, may I kindly ask you to start your intervention from the beginning? Sorry for this technical disturbance. Thank you. Not Please. A problem. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, dear colleagues. Again, it is a pleasure to be joining you very early from Ottawa this morning. I want to discuss the crisis of climate change, which represents a non-traditional security threat with profound implications for the OSCE and Mediterranean regions. OSCE member states and Mediterranean partner states must collaborate and cooperate on climate change solutions, both at the 26th United Nations Climate Conference, COP26, and beyond. Ambitious climate action is needed to avoid the most dangerous climate impacts. Consider that the Mediterranean region has experienced this summer record-setting high temperatures, Fez at 46 degrees Celsius, Eilat at 43, and Tunis at 48 degrees. This heat has fueled unprecedented wildfires, and my condolences go out to our Mediterranean partners who lost citizens to recent heat waves and wildfires. Many OSCE countries, including my country of Canada, have also experienced these extreme heat waves, accompanied by devastating wildfires and potential water shortages. We know from experience that the bravery of firefighters does not lessen the need for policies that tackle the root of the problem, which is, of course, climate change. What steps can we take to tackle this problem? We must be innovative. How can we encourage this innovation? And how can we encourage this collaboration? Efforts to address the climate crisis must focus on innovation, diplomacy, and collaboration between countries in order to uphold peace and security. I'm particularly concerned by tensions that surround shared water resources. There are 276 cross-national river basins in 148 countries, covering 40% of the world's population. Climate change is leading to more droughts and floods, which combined with poor water governance is increasing water and flood insecurity worldwide. This can lead to social unrest, migration, and tension between countries. For this reason, OSCEPA parliamentarians and our Mediterranean partners must prioritize cross-border cooperation and good water governance so we can manage our shared water supplies during an era of climate change. A perfect example of this is the Echo Peace Project, a joint Israeli, Jordanian, and Palestinian initiative dedicated to improving the capacities on water and renewable energy sources through security measures and by creating innovative systems to create water and renewable energy exchange.
Organizations like EcoPeace and like-minded partners are advocating for the investment in shared waterways and investments in smarter initiatives towards a green economy for the entire region. This brings me to my final point. Parliamentarians have a clear mandate from their citizens for change, particularly on climate. Our citizens are demanding that we urge our governments to act to reduce greenhouse gas emissions. For instance, last month in Tel Aviv, over 10,000 protesters demanded action on climate change at a march in Tel Aviv. Our governments must set ambitious greenhouse gas emission reduction targets and provide funding to developing nations to assist them in meeting their targets. The COVID-19 pandemic has shown us that we are able to make important changes quickly when faced with a problem. We must now apply the same sense of urgency to climate change. I thank all of you colleagues for your attention today. Merci, shukran, and toda. Thank you very much. Next in the speaker's list is Mr. Nestor Shufrich from Ukraine. Please, Mr. Shufrich. Mr. Shufrich from Ukraine, are you connected? I don't think so. We move to the next speaker on the list, Mr. Kyriakos Hadiani from Cyprus, please. Thank you very much. And I will repeat the same as my colleagues, Jasmine Possion from Sweden. Big thanks to the President Margarita Sennefeld and also to my friend and colleague Pascal Alizar for this excellent meeting and also for the excellent job that for the last years, all the time, on a constant basis, they are doing. Before I will start my speech, I want to make a suggestion, actually in the same realm as the introduction of the president and Pascal Alizar. And my suggestion is to give a ground to these special problems of the Mediterranean. We have to give a ground and listen to scientific diplomacy, which has the knowledge and the ability to move beyond diplomatic obstacles, to move on the basis of the scientific knowledge at its disposal. With the participation of civil society, we can accelerate efforts to tackle multiple problems. Because the Mediterranean is suffering from climate change, and it is a problem, more specifically with scientific. Last summer was the hottest ever recorded in our region. Forest fires ravaged our countries, burning vast forest areas in Cyprus, Greece, in Turkey, in Italy, and in Spain, also in other countries, Germany, as I know. Immediate action to address the mitigate the effects of climatic change in the Eastern Mediterranean region is urgently needed. Cyprus, for its part, has taken the initiative to coordinate in cooperation with the countries of the region, a regional action plan to achieve the objectives set by the countries of the region, a regional by the Paris Agreement. In this context, an important milestone was the organization of the second International Conference on Climate Change in the Mediterranean and the Middle East that took place last month in Cyprus. This initiative is fully in line with our general strategy for our shared neighborhood, which is based on effective multilateralism. Firmly believing in the possibilities offered by multilateralism in a wide range of policies and ultimately in security, stability, and prosperity, Cyprus, along with Greece, are promoting the establishment of tripartite cooperation mechanisms with various OSCE partners for cooperation in Eastern Mediterranean, namely Egypt, Israel, Jordan, and other countries of the wider region. These mechanisms are an answer to the need
for further institutionalization of regional dialogue and cooperation. Dear colleagues, the exploitation of energy reserves in the Eastern Mediterranean region as a means of economic development, security, stability, and peace is part of Cyprus' strategy vision. To this end, Cyprus is working closely with its neighbor to promote a positive agenda in full respect with international law and the principles of good neighborly relations. Energy cooperation has been the initial stepping stone for the establishment of the tripartite cooperation mechanism in the region. A very positive outcome of this region, energy cooperation, is the establishment of the Eastern Mediterranean Gas Forum. The overarching aim is to continue in establishing the Eastern Mediterranean as an important alternative energy corridor for the EU, so as to reduce its dependence on traditional and highly polluting energy sources and to facilitate the necessary energy transition, even the fact that gas remains essential for achieving our Paris Agreement goals. Other very important practical examples that demonstrate Cyprus' commitment to regionalism and multilateralism are the planned interconnections projects, Euro-ASEAN interconnector with Israel and Greece, and Euro-Africa interconnector with Egypt and Greece. These two projects involve submarine power cables that will connect European, African, and ASEAN power grids through Cyprus. They are energy highways that will put an end to Cyprus' energy isolation and enhance the inclusion of energy from renewable sources into the energy mix in a way that will strengthen the energy security of Cyprus and other EU member states. Unfortunately, Turkey's aspirations start in stark contrast with our goals of multilateralism, cooperation, and dialogue. Turkey's violation is the exclusive economic zone of the Republic of Cyprus, among other provocations, have a vital impact on the interests and goals of the EU and its member states as they aim to nullify any prospects for the Eastern Mediterranean to become an alternative energy or energy option for the EU. I am sure that the OSCE Parliamentary Assembly and its participating states are well aware of the importance of such perspective. We renew our calls to Ankara to choose dialogue in determining our maritime borders or resources to the International Court of Justice for a delimitation as provided by the Convention on the Law of the Sea. Thank you very much. That's Mr. Hagiani. Next speaker's list is Mr. Carmelo Abela from Malta. Please, Mr. Abela. Thank you, Mr. Chair. It's a pleasure to address you this morning and to participate in this meeting. In this Mediterranean Forum, I have 3 points that I would like to make. The first point is more of an appeal regarding youth. I believe that in the Mediterranean, we still need to achieve more prosperity and work more and on a number of issues. And I believe that youth are part of the solution and are part also of this dynamism that we need in the Mediterranean. And we should look at youth as leaders of today, not only as leaders of tomorrow. So I start with this appeal. So we give more attention, we give more opportunities when it comes to education, healthcare, and employment to our younger generation. My second point is about climate change. A lot has been said already on climate change, including by Mr. Pascal Alizard in his opening remarks. He dealt at length with this issue. We know that the Mediterranean region is very vulnerable to the impacts of climate change. We heard also during the G20 and COP26 a lot of talk and a lot of other decisions that were taken when it comes to climate change. It's time to step up our actions, of course, and the Mediterranean region definitely need to
take more actions, because we know from reports, from scientific reports, that according to international climate experts, warming in the Mediterranean region will be about 20% higher than the global average in the coming decades. So we need also, as Mediterranean partners, to work in this direction, and not least because, not only because of our oceans, but also pollution and loss of biodiversity are also part of the equation. It is calculated that in the Mediterranean region, we home over 600 ports and terminals. So it is inevitable that a blue economy and the blue recovery strategy needs to play an integral part in facing the challenges caused by natural phenomena, maritime traffic, and of course, tourism, which is very important to most countries in the Mediterranean. So I urge also to have cooperation among civil protection in case of disasters that might happen. So I think that we need to organize ourselves because no one country can, of course, tackle alone, unfortunately, what might happen both in natural but also in other cases. I believe that we need to work as one, and therefore this is a global issue. It is recognized by all that climate change is a global issue, but also in the Mediterranean region, we need to also have discussions and cooperation when it comes to climate change. My final point is regarding the COVID-19 pandemic. In my country, we are, let's say, dealing very well with this pandemic, both when it comes to the health issue. Vaccination is over 92% of the adult population. And also when it comes to unemployment, the unemployment rate is very low, and it's at its lowest recorded time. However, there are challenges emanating from COVID-19 pandemic, even generally speaking in the Mediterranean. Health should continue to be a priority, but also the health of our economies should be also considered as an important element in this. We should not discard the issue of mental health when it comes to what we have been, what we passed through in the last almost 2 years now of the pandemic, when it comes to social elements and also work-related challenges. Working from home might be interesting for some time, but maybe those who are working from home, which supposedly should be the place where one enjoys family and relax, and relaxes during their off days, has become also the place of work. And definitely, I think a hybrid system in this, by we need to keep working from home, but also going to the place of work might help. So there are challenges when it comes to the COVID-19 pandemic, not least to recover, so our economies can recover. So I think that in the future, we might also try to discuss and focus more about this issue, but I see that my time is already over, and I thank you for your kind attention. Thank you very much, Mr. Abela. Thank you to you, and also thank you to Malta. Just a historical reminder that if there is a Mediterranean dimension in the OSCE, it's thanks to the efforts of Malta in 1975 at the time of the negotiations of the Helsinki Final Act, when Malta really took the lead on ensuring that that the CSE at the time had a Mediterranean dimension. Next on our list of speakers, Ms. Grigorian from Armenia, please. Thank you, Stavo, and esteemed President, esteemed Vice President and colleagues. It is my honor to attend the meeting of the OSCEPA Mediterranean Forum. We highly appreciate cooperation with our partners, Mediterranean partners, especially given the threats and challenges we're facing today, which we need to address in the spirit of genuine partnership. We express our willingness to continue to adhere to OSCE norms and commitments, as well as to engage in OSCE-led activities. We highly have respect for human rights and fundamental freedoms as an inseparable part of OSCE principles.
and as well as OSCE initiatives aimed at promoting youth participation and engagement, which foster dialogue among Mediterranean partners and OSCE participating states. As we are all know, we're living through difficult times due to COVID-19 pandemic, which has caused and continues to cause immense economic and social damage worldwide. But we can overcome its consequences through joint efforts, through unity and cohesion. And in this context, I would like to stress that vaccination is currently underway in Armenia, and more people are being vaccinated day by day. This makes us believe that we'll achieve good results in the struggle against pandemic in the foreseeable future. And I also believe that we should focus our attention on climate change, which is one of the most pressing concerns for today. And we've talked a lot about this today. And I believe that in this regard, we all need to engage greater efforts and advance a common approach in tackling this challenge. Serious efforts should be exerted to fight all forms of trafficking, in particular trafficking in human beings and illicit trafficking in cultural property, including objects of religious origin. Dear colleagues, through consistent pursuit of our objectives, I do believe that we'll be able to gain tangible results in the area of common concern and make our environment safe and secure. Thank you for your time and attention. Thank you very much, Ms. Gregorian. Now, next on the speakers list is Mr. Yves Perron from Canada, please. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président et chers collègues. Alors, je vous remercie de me permettre de m'adresser au Forum méditerranéen qui offre aux parlementaires de l'OSCE une excellente occasion d'examiner spécifiquement la région méditerranéenne. Qu'il s'agisse de discuter de questions politiques, environnementales ou économiques, de droits de la personne et de migration ou encore de conflits, soyez certains que nos conversations ont un impact réel. À cet égard, je dois saluer le travail de l'Association parlementaire de l'OSCE et du Forum méditerranéen qui contribue à la sécurité et fait la promotion du dialogue interparlementaire. Nous le savons. Ce dialogue doit parfois porter sur des questions qui peuvent être complexes. Je pense ici à deux partenaires importants pour le Québec et le Canada, la Grèce et la Turquie. Je crois fermement que tout effort de communication dans un esprit d'ouverture a le potentiel de diminuer les conflits et les tensions, ainsi que les risques d'incidents en Méditerranée orientale. Nous accordons une grande importance à la sécurité et à la stabilité de la région. En ce sens, je félicite les efforts visant à encourager le dialogue entre la Grèce et la Turquie. En particulier, dans la question des zones économiques exclusives de la région, question sensible s'il en est une, le dialogue et la diplomatie sont de mise. J'invite donc tous les acteurs au dialogue et je salue toute opportunité de créer de nouveaux canaux de collaboration entre les pays de la région. L'avenir nous demande de collaborer et d'agir avec concertation dans l'intérêt collectif et tout en ayant en tête que tous sont perdants dans un conflit et que tous gagnent dans la collaboration et la coopération. Au-delà des prétentions territoriales de chacun dans certaines zones, la question environnementale nous interpelle tous. Chacun et chacune d'entre nous avons remarqué l'incidence des changements climatiques qu'on nous annonce depuis longtemps se matérialiser. Sécheresse, inondations, records de température, incendies de forêt, les signaux sont là et nous avons le devoir de répondre présent pour les générations futures. Si la vague migratoire de 2015 a bouleversé l'Europe, je n'ose imaginer la situation alors que des centaines de millions d'individus vivront la famine et la guerre un peu partout sur la planète, conséquence directe du réchauffement de la planète. Tant qu'à la Grèce et la Turquie, risquent de le subir également. Encore une fois, les conséquences directes des déplacements de population si nous ne faisons rien pour l'environnement. Voilà une lutte qui devrait tous nous unir au-delà de nos différences. En cette semaine où la planète a les yeux rivés sur la COP26 à Glasgow, j'invite tous les partenaires à prendre action en coopération et en concertation. Le combat à mener n'est pas entre nous, les uns contre les autres, mais plutôt tous ensemble contre le réchauffement planétaire. En ce sens, nos énergies doivent donc être dirigées vers la réduction des gaz à effet de serre et au contrôle réel des résultats obtenus par les moyens utilisés. Nous avons le devoir d'y travailler ensemble. Merci beaucoup.
you very much. Now we come to the last speaker on our list, and as Mr. Tural Ganjaliyev from Azerbaijan, please. Yes, thank you, Mr. Speaker, dear colleagues. It is indeed a great privilege for me to address you this morning in such a very important topic of Mediterranean Forum, which is organized by the OACPA. And of course, as a member of Parliament of Azerbaijan, I would like to point out the importance of the security and stability of the Mediterranean basin region that we attach very great importance, because we consider that if we would like to have prosperous, stable Mediterranean sea basin, we should also have the same stable situation in its neighborhood, which is Black Sea region and Caspian Sea region. And of course, it's also very important for us because as a country, we are exporting our energy resources through the Mediterranean. That's why we are interested in the maintenance of stability and security. And we consider the respect for sovereign rights of each littoral state within its territorial waters as an important principle, which is enshrined in international law. Of course, Azerbaijan stands for the resolution of all differences through dialogue on a constructive basis by littoral states themselves without external interference. And we fully support all states, Mediterranean states, in their efforts to defend their sovereignty, their rights in the region within the framework of the international law. And of course, we should unite all our efforts, and we must stand together in order to face these challenges which we are facing in Mediterranean Sea Basin, because the challenges we are facing, and as Azerbaijan as a reliable partner of the Mediterranean countries, we think that these challenges must be addressed together. For example, if we are talking about the challenges, we should point out the wildfires that took place recently, which affected all the Mediterranean states. It was so tragic to see the images, the video images, shortages coming from your countries. And of course, we should prevent this happening in the future. And that's why it's very important for us to transfer this region, the Mediterranean basin region, for the platform of cooperation, for the platform of stability and prosperity. Again, our vital interest, Azerbaijan's vital interest is to see Mediterranean Sea Basin in the future developed and stable, and as a result of which we will have common space, prosperous stability in the region, including Black Sea region, Caspian Sea region, which includes Southern Caucasus, and of course also the Adriatic, and if we would like to add in a broader sense. Again, thank you very much for this opportunity, and looking forward again to exchange our views with you in the future. Thank you for your attention. Thank you very much. We have an additional speaker that has requested the floor. Is Mr. Selami Altinok from Turkey, please. Distinguished participants, I would like to convey my best regards to each and every one of you. I believe this meeting, the Mediterranean Forum, is a beneficial one for us all. In the Mediterranean basin, in particular, it is important to control the impacts of the climate change in line with our common interests. We need to optimize our common interest, which is not only important for this region, but for the rest of the world as well. Last year, especially during the summer months, in Turkey, in Greece, in Spain, I mean, all over the Mediterranean basin and also in the northern Africa, we have seen wildfires, drastic fires,
and especially us who live in this region, better understood that we need to exert better efforts in coping with these challenges. All these fires and other challenges once again indicated that we need closer cooperation. The fires in this Mediterranean region and also in Turkey lasted almost for a month. And I would like to sincerely thank all the countries, all our neighboring states who helped us from the bottom of my heart, because we once again understood that no country can overcome this problem alone. In the Eastern Mediterranean region, alternative energy sources being used is also serving to the common interest of all the regional countries, according to Turkey as well. And the common efforts exerted by the countries in the Mediterranean region will serve to the interest of all countries in the region again. And all these efforts must be inclusive, and an exclusive effort to leave one country behind will not serve to the regional and global interest of this region as well. And Turkey's policy in this regard as well is to have a conference in the Mediterranean region with the participation of all countries representing all nations, so that everyone can benefit from these natural resources and underground resources on an equitable manner. I believe my distinguished colleagues are in the same opinion with me in this regard. I ask the floor in a late stage, therefore I would like to kindly thank Mr. Chair, Mr. Alizart, the Secretariat, and everyone for giving me the floor, and everyone else for their kind attention. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Altinok. I understand now there is a request for a question from Ms. Karimi, head of the delegation of the Netherlands, please. Yeah, thank you very much. Thank you for organizing this conference. It is very much appreciated and it is very informative. I would like actually to pose a question to colleagues from Algeria and Morocco. I mean, we all know that this COVID pandemic has an enormous impact on the lives of people around the world and also on their societies, I guess. And we know that there is a really a kind of, if I may use this word of vaccination apartheid, that means that the rich countries, they have really access to vaccines. And in my country, we are now heading to the third dose of vaccinations. But at the same time, in some other countries, there is no access really to vaccines. So I would like really to hear from them, how is actually the access to vaccination in their countries? And at the same time, maybe in a broader actually perspective, how do they see at this moment the relationship with, you know, European countries and maybe in particular European Union? Really, do they think that they are approached at really the same level and our partners, and that partnership is appreciated as it should be by their neighbors? Thank you very much. Thank you very much. Now, if the representatives of the Algerian Moroccan delegation want to intervene at this point, answer the question, or they would rather answer in written to the question, so please let me know if you wish to intervene at this stage. Oui. Algeria, please. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, je voudrais vous remercier tous pour
la qualité de vos interventions qui ont été très enrichissantes pour moi. En tant que parlementaire, il est vrai que les interventions doivent tous concourir à promouvoir cet espace de solidarité qui est l'espace euro-méditerranéen. Pour répondre à votre question concernant les vaccins, la vaccination, la pandémie, l'Algérie, comme tous les pays, a subi cette pandémie. Et depuis, disons, le mois de mars de l'année dernière, de cette année plutôt, de 2021, la campagne de vaccination a été lancée timidement au début, et puis elle a pris une ampleur ces derniers mois parce que l'Algérie s'est dotée d'un centre de fabrication du vaccin Sinovac chinois, et elle avait reçu aussi des vaccins du partenaire russe qui s'appelle Sputnik, des vaccins AstraZeneca, des vaccins Johnson & Johnson. Et puis, nous avons bien sûr entrepris une campagne de vaccination. Il faut dire que la population, au départ, était réticente. On n'a pas trop compris les raisons. Peut-être les réseaux sociaux ont fait leur travail par rapport aux complotistes et puis aux gens qui n'y croient pas, etc., etc. Et ces derniers temps, il y a un envol. Je dois dire que le taux de vaccination est loin d'atteindre le taux de vaccination des pays européens. Nous sommes à 11 millions à peine sur 45 millions qui ont été vaccinés. Donc, on est loin du compte. Et la campagne continue. Les vaccins sont disponibles. Ils sont disponibles partout, au niveau des cabinets médicaux, au niveau des pharmacies, au niveau parfois même au niveau des espaces de vente, des centres commerciaux. Il y a des chapiteaux qui sont mis en place, des vaccinodromes. Donc, il y a une campagne qui est faite, mais il y a toujours cette réticence. Je dois m'interroger et puis on doit trouver une solution pour qu'il y ait une meilleure réponse de la part de notre population. Et curieusement, chez les jeunes, il y a une espèce de réticence. On ne sait pas trop pourquoi. Si vous voulez bien nous aider peut-être à trouver une réponse pour ça, peut-être que vous avez aussi certaines franges de la population qui sont contre, mais nous, effectivement, bon, comme le vaccin n'est pas obligatoire, on ne peut pas forcer aussi à aller avec la... Ah oui, je crois que c'est parti, là. Donc, bon, on espère qu'il y aura une réponse parce que les vaccins sont disponibles. Bon, il est même question, bien sûr, d'aider les pays qui en ont besoin. Et puis aussi, je remercie le geste qu'ont fait les Européens en faveur de leur contribution dans le COVAX. Là, il faut le rappeler, c'est quand même important. Et notre continent entier a des besoins, il faudrait y répondre. Et puis voilà, je vous remercie. Thank you very much. We understand that Mr. El Bakouri, the head of the Moroccan delegation, is no longer connected. He has some urgent activities in the parliament. The secretariat will convey the question, and a written response will follow. With this, Mr. Ali Saad, we conclude the open debate and the agenda item 5. So back to you. Merci Gustavo. Je voudrais remercier sincèrement chacun, chacune des intervenants qui ont pris part à ce débat. On l'a bien entendu, et on l'avait entendu d'ailleurs hier lors de la commission permanente, lors du Standing Committee. Il y a entre certains pays de notre zone OSCE des sujets de tension, des sujets de débat. Mais on le voit aussi ce matin, il peut y avoir des sujets très importants sur lesquels on se retrouve tous et sur lesquels on a tout intérêt à travailler collectivement. C'est en tout cas, moi, la leçon positive que je souhaite tirer de cet échange de ce matin, où effectivement, on le voit bien, les problématiques climatiques nous posent toute une série de questions. Mais ces questions, elles sont climatiques, évidemment, mais elles concernent aussi l'économie, la sécurité
et la vie de tous les jours des habitants de nos pays. Donc, je souhaite réellement que l'on puisse les uns et les autres continuer à avoir ce type d'échange au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, parce que c'est là que nous faisons notre travail, c'est là que nous remplissons nos missions, mais qu'aussi en tant que parlementaires nationaux, dans nos parlements nationaux, nous puissions tous être des relais de ces messages et de ces souhaits de coopération. Toutes les interventions de la matinée, finalement, ont convergé sur ces soucis partagés, et j'ai particulièrement apprécié que quelques pays qui, sur des sujets particuliers, ont des tensions entre eux, ce matin, passent au-dessus de ces problématiques pour effectivement aborder les problématiques collectives de notre espace, et je voudrais les uns et les autres les remercier particulièrement. Pour terminer, remercier Gustavo pour tout le travail de qualité qu'il a fourni pour préparer avec son équipe ce forum méditerranéen, parce que c'est un format un petit peu particulier et on l'a vu avec tout le support technique à préparer. Remercier l'ensemble des participants et surtout nos partenaires de coopération. Vous l'avez constaté, tous nos pays partenaires n'étaient pas présents ce matin. Lors de ma visite à Vienne, il y a 3 semaines, j'ai pu voir les ambassadeurs des pays concernés et tous sont extrêmement motivés pour participer à nouveau aux travaux de notre Assemblée parlementaire. Mais la démocratie aussi dans ces pays partenaires a fait son travail, des délégations ont été renouvelées, sont en train de se reformer et j'ai très très bon espoir que les liens que cette pandémie aussi a pu distendre se retendent, se recréent de façon à ce que nous retrouvions un fonctionnement beaucoup plus conforme aux souhaits des uns et des autres. Donc, mesdames et messieurs, merci à vous tous pour cette matinée partagée et je crois que vous apportez une réelle valeur ajoutée à toute notre assemblée parlementaire. Je crois que désormais, on peut clore cette réunion. Donc, merci à tous à nouveau. Au revoir et à très, très bientôt pour continuer nos travaux.